Bonjour à tous, c'est Skyx Shadow qui va vous présenter le troisième épisode de World of Warcraft Adventure Mr. Ponaria. Alors excusez-moi un instant, voilà. Alors cet épisode est tout simplement la continuation de notre aventure. Donc voilà, vous voyez que je reprends avec un singe sur mon dos. Donc là, je vais aller faire le rapport des quêtes que j'avais terminé dans l'épisode 2. N'oubliez jamais les bienfaits. Voilà, donc maintenant je dois parler. Alors j'ai pris ma quête, donc je dois aller parler à Maître Lifei et Sanctuaire de la Lumière. Bonjour. Vous savez quoi, on va utiliser quelques petites techniques. Et que ce singe toujours qui vous monte dessus, comme d'habitude. Bonjour. Voilà. Hop. Et... Je n'ai pas de... Voilà. Alors... Mais je pense que c'est ce temple... Ah non. Bah, attendez que je regarde ma carte. Ok, c'est droit devant. Alors, on va attaquer le voleur de bière. Allez, hop, on va lui donner un coup. Voilà. D'après ce que je vois, le temple est droit devant nous. N'est-ce pas magique? Non. Allez, sanctuaire de la lumière intérieure. On va essayer d'éviter les pièges. Ouch. Vos yeux trahissent de nombreux voyages. Alors, je monte niveau 5 et je gagne la compétence au roulat, donc vraiment je peux faire une botoche. J'espère que vous trouverez la maîtrise dans vos passions. Hop. Et le dernier. Vous êtes plus que bienvenue. La famille. Allez, on va battre les maîtres Lifei. Ok, donc Coulette, c'est ça, ça. C'est trop loin. Je suis hors de portée. Je ne peux pas encore. Cette compétence n'est pas prête. Lui, c'est réellement un boss, hein, il est vraiment assez puissant. Cette compétence n'est pas prête. Je dois me rapprocher. Ce n'est pas prêt. Allez, hop, ouais, qui perd vraiment très lentement de la vie. Lui, par contre, il m'inflige vraiment quasiment aucun dégât. Je pense que c'est fait un peu exprès. Là, vous voyez que je suis un peu en train de danser entre les deux attaques. Un coup l'une, un coup l'autre. Ah, là, il passe par derrière moi. Je dois me rapprocher. Mais que je peux faire par moi des roulades, vraiment c'est marrant. Les roulades sont assez fun, on va dire que c'est assez marrant. Compétence n'est pas prête. Ce n'est pas prête. Compétence n'est pas prête. Moi je ne peux pas encore. Je suis hors de portée. Je dois m'approcher. Compétence n'est pas prête. Je ne peux pas encore.
Il reste à peu près un tiers de sa santé. Cette compétence n'est pas prête. Ce n'est pas vrai. Cette compétence n'est pas prête. Je n'ai pas assez. Ce n'est pas vrai. Je suis hors de portée. Je ne peux pas encore le faire. Et j'ai vaincu Maître Oli, youpi youpi. Quelle sagesse recherchez-vous? Que la crue roule ne va jamais dans votre cœur. On va directement s'équiper du bâton du maître. Donc avec ma tenue d'initié plus le bâton du maître. Et l'esprit du feu, je pense que... J'ai envie d'aller par là, j'ai l'impression, je sais pas, ça paraît logique, oh là là. Il est assez marrant ce petit esprit. Je ne suis pas prêt. Alors attendez, comment ça va se passer? Et je vais arriver l'esprit du feu et je pense que je vais aller lui parler. Voilà, accompagner l'esprit du feu au temple des 5 matins. Voilà, donc il me suit ce super esprit du feu. On va passer par là. Hop, et il me suit au moins. Ouais, il me suit. J'espère qu'on va pas se faire attaquer par les vilains un jour sur moi. Du coup, on va couper à travers champ. Allez, laissez. Ah, je tombe dans l'eau. Ah, ah non, voilà. Et là, je pense que peut-être j'utilise ma roulade. Ah ouais, donc en fait, la roulade, ça vous permet de... d'annuler les pieds du singe qui vous monte dessus, j'ai l'impression. Yep, c'est bon. Je nage un peu, voilà. Ouh, je crois que j'ai loupé les escaliers. J'ai l'impression. On va toujours nous embêter, ces singes-là. Je ne peux pas encore le faire. Oui, et encore une fois, vous pouvez vraiment profiter des super graphismes. Honnêtement. C'est vraiment les graphismes, la musique, la bande son, tout est génial. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Bienvenue, Huo. Votre chaleur a manqué à notre... Vous êtes venu à bout de tous les défis qui vous ont été lancés. Vous avez trouvé Huo et l'avez ramené au temple. Mes enfants, nous faisons face... un plus grand problème maintenant. Shenzhen Su souffre. Si nous n'agissons pas, cette terre pourrait mourir. Donc voilà, donc je vais. Et nous tous avec elle. Maintenant que le petit discours que Maître Zhang Gui est terminé, on va aller parler à Aiza, poète des nuages, au bassin chantant. Esprit élémentaire. Huo n'était que le premier. Alors vous avez pu entendre qu'apparemment je vais devoir ramener 4 esprits élémentaires. Donc je suppose ceux du feu, celui que j'ai déjà ramené, l'eau, l'air et la terre, je suppose. Alors, attendez, par contre je pense qu'on va changer de direction. Plutôt partir par ce côté.
Ouais, je pense qu'on va plutôt passer par là. Ok, un gamin qui est en train de me suivre là, il me demande si l'esprit du feu était hyper chaud. J'ai envie de lui dire, mais t'as qu'à tester, mec. Non, je déconne. Ah, donc je suppose que j'arrive bientôt. Ouais, j'y suis bientôt. Les bassins chantants. Comme ça, ça... Ouais, c'est vraiment... Les graphismes sont vraiment bien faits. Ils sont divers. Oh, tiens, une quête. Acceptons cette quête. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça se trouve... Allez, ramassons les roseaux, mais c'est lesquels roseaux que je dois ramasser? Alors, attendez voir, roseaux. Alors, attendez, je vais essayer de monter sur un mât d'équilibre. Ah, c'est assez stylé. Ouais, comment je fais pour descendre? Ah, voilà. Voilà. Comment c'est stylé les... On va prendre les roseaux. Ah d'accord. Ah ok, ah d'accord. Ah ouais, ça c'est marrant en fait. Lorsque je vais dans l'eau, en fait je me transforme en... C'est trop loin. En fait je me transforme en grenouille. Et c'est ça qu'en fait qui... c'est pour ça que je suis les poteaux en fait, j'ai l'impression. Et du coup, ben, les oiseaux m'attaquent en fait, j'ai l'impression. Si je prends celui-là, il est pas très loin. Oh, ça va, ça m'a fait quasiment aucun dégât. On va juste prendre celle-là encore. On va plutôt se barrer, là, je vais... Oh. Alors, tentative numéro 3, déjà, je crois. C'est quoi? Hop, 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 il m'a même pas calé, je parie. Discrétion, Nicolas, que de discrétion. Ok, regardez-moi ça. Hop, oh merde, merde, comme je fais caler. Non, non, non. Oh, je suis sous la terre là. Calme-toi. Voilà. Hop, il m'en reste plus que deux. Je suis la grenouille. Voilà, j'ai rattrapé ça. Oh putain. Oh la vache. Non, 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 je crois que l'hôtel va me caler en plus. Oh punaise, vite. Vous voyez que la grenouille va extrêmement vite. Mettre lui la grenouille. It's me. Bon, on va aller parler à lui. Du calme. Tiens. Le tigre blanc vous protège. Encore me transformer en grenouille. Ah ouais, cool. Ah non, là, je suis un furet. Quel joli furet, je suis. La discipline et l'entraînement nous mènent vers notre... Ah, c'est le baf... C'est le bassin de la moufouette, apparemment. Votre visite m'honore. Alors, attendez. Ça, c'est le bassin de la grenouille, je suppose. Alors nous, on se bat sur des poteaux, quand même. La compétence n'est pas prête. Je n'ai pas prêt. Hop, 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 et hop, regardez-moi. Regardez-moi ça. Allez, on va de nouveau faire tomber lui. Allez, hop, bouge-toi. Tombe. Allez, tombe. Ce n'est pas prêt.
Et un de plus. Elle est L. Elle part tomber L. Je ne peux hop, pas hop, 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 hop. Et voilà, et encore plus un. Je trouve que je peux encore l'attaquer en étant sur ce poteau-là. Ouais. Compétence, mais pas assez d'énergie. C'est quoi? On va faire un. On va faire un saut de ninja. Ah non, je pensais pas. Je pensais que je vais voir. Hop, hop, hop. Toi, je t'attaque. Merde. Je ne peux pas. Je n'ai pas prêt. Ma compétence n'est pas prête. Je ne peux pas le faire. Ouh. Maintenant que j'ai vaincu tous les moines, hop. On va faire sonner la cloche. Et on va retourner voir Aïssa, poète des nuages, au bassin chantant. Enfin, surtout le bassin de la moufouette. Et on va se dépêcher, j'ai pas envie de louper ma transformation en moufouette, ce serait vraiment terrible. Et hop là, c'est ok, hop. Allez, regardez-moi. Maître Lee normal. Maître Lee en moufouette. Maître Lee version moufouette. Et telle la meilleure version que Maître Lee normal. Alors puis apparemment il a l'esprit de l'eau avec lui. Terminons la quête. Celle-là aussi. Et j'atteins le niveau 6. Et je dois parler au vieux langue. Et là, voyons voir ce bassin là. C'est quoi comme bassin? C'est le bassin de rien. Ça se transforme en rien. Il n'y a pas assez d'eau en fait. Par contre, après, il va falloir que je regarde un truc. Apparemment, au bout d'un moment, quand je suis monté niveau 5, ils m'ont marqué un truc genre. Je pouvais faire commencer les combats des mascottes. Je crois que j'ai une. Je crois que ça a été rajouté dans Mist of Panaria. Alors je regarde à la fin de la vidéo. Retraite de Liang. Allons voir Liang. Je crois que c'est là. Qu'était Liang? Moi, vos voyages. Je récupérais la perle du soleil et. La vie doit être savourée. Ouch. Bon bah je crois qu'on va se quitter là pour cette vidéo. La partie 3 s'achève. Donc les majeures parties de cette vidéo sont que j'ai réussi à ramener l'esprit du feu à eau et que j'ai commencé à faire les quêtes qui je pense vont me venir à aboutir à l'esprit de l'eau. Donc voilà, je vais juste regarder. J'aimerais juste regarder quelque chose. C'est comment est-ce que je pourrais faire des combats de mascotte? Apparemment, on pourrait faire des combats de mascotte, mais je vois pas comment. Je ne vois pas entraînement de la mascotte de combat. Un dresseur de mascotte. Ah d'accord, bon. On va essayer de trouver un dresseur de mascotte pour la prochaine vidéo. Puis sur ce, on va se quitter là-dessus, donc allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos et bon gaming tout le monde. Salut!